Salut, aujourd'hui, on est accompagné d'Alexandre Gadieux, qui est formateur en tuyauterie. Alexandre, ça va bien? Très bien, toi, Réal. Oui, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi c'est important, la formation, pour vous. Ben, le métier de tuyauteur est très large. Ouais. Fait que le perfectionnement te permet d'augmenter tes connaissances. OK. Puis d'acquérir une bonne palette de compétences qui vont te servir dans ta carrière. On s'entend que les palettes en construction, c'est super important. Tout à fait. Puis je pense aussi, Alex, que ça peut aider les travailleurs à orienter leur carrière puis à se spécialiser dans ce qu'ils aiment vraiment. Bien ça, Réal. Les formations couvrent l'ensemble du métier. Okay. La lecture de plan au chauffage radiant en passant par des cours de certification en gaz ou de fêteur. Dans le fond, les formations vont remplir ton coffre à outils de connaissances concrètes qui vont t'aider dans le métier. On s'entend que c'est un métier qui est toujours en évolution, que ce soit dans les matériaux, les appareils, là, ça va vite. Tout à fait. Ça, c'est sans compter les changements aux normes environnementales ou de santé et sécurité. Fier et compétent. T'as-tu vu, ils ont mis un S parce qu'on est deux? On va peut-être le laisser sur fier, mais sur compétent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est pas l'expert.